Bon bah très bien, on va commencer alors. On commence, Women Kaisho. On commence. Women Kaisho, d'accord? D'accord? Kaisho Lemar, on commence. Ça va? Ça va? Ça va bien. Oui, ça va, on y va. Alors, ça va. Ça va, je go ici, let's go. Let's go, we can start. Ça va? Ok? On commence? We start? Oui. Ok, donc, on commence. Alors, d'abord, on va se présenter. Se présenter. On va se présenter. Alors, au cache, hein, je commence. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Georges. J'habite à Paris. Je suis français. J'ai 40. Oui, j'ai 40 ans. Je parle français et anglais. Français et anglais. Ok, donc who wants to try? Qui veut essayer maintenant? Je vais demander à ask Nicolas. Nicolas. Alors Nicolas, à toi. À toi. À toi. À toi means your turn. Your turn. So first of all, Tour. you want to say ni hao. Want to say ni hao. Bon. Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? How would you say? Bonjour. 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 Oui, bonjour. Très bien. Bonjour. And then Bonjour. my name is Nicolas. You said it before. Je. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Oui, très bien. Je m'appelle Nicolas. You can say with. How about with j'habite? J'habite. J'habite à. Do you know j'habite? J'habite à. Do you know what it means? Butchera? J'habite à. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite à Shanghai. J'habite à Shanghai. Oui, j'habite à Shanghai. J'habite à Shanghai. Et Woche. J'habite à Shanghai. Oui, très bien, très bien. Oui, très bien. Et Woche Tsongoren. Woche Tsongoren. Je suis. Je suis chinois. Oui, très bien. Je suis chinois. Je suis chinois. J'habite à Shanghai. Je suis chinois. Wuhuishuo Zhongwen. He Ying. Faiwen. Yingwen. Je parle chinois. Et anglais? Et anglais? Anglais? Do you speak English as well? Do you speak English or? Yes, Yes, oui, oui, donc, English. so you can say, je parle chinois et anglais. Oui, très bien. Can you try to do Je it all? parle de chinois et anglais. 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 Oui, très bien. Anglais. Anglais. Oui, très bien. How about you, Jane? Do you want to try it? Oui. Bon, Oui. bonjour. Bonjour, je m'appelle Jane, je suis à Shanghai, je suis chinois, je suis Tesson, je parle chinois, français et anglais. Oui, très bien. Bonjour, je m'appelle Jane. J'habite à Shanghai. Je suis chinois.
J'ai 13 ans. Je parle chinois, anglais et français. Je parle chinois, anglais et français. Oui, très bien, bravo. Did I forget something? Ah, j'habite à Shanghai. Je suis quoi? So it's very good. So this is to introduce yourself. Introduce yourself. Usually you will just say, oh, bonjour, je m'appelle Georges, je suis français, hein, j'habite à Shanghai. I live in this place. Okay, so very good, very good. J'ai 9 ans. Oui, très bien. J'ai 9 ans. Oui, j'ai 9 ans. Wow, tu es très jeune. You are very young. Tu es très jeune. C'est bien. J'ai 9 ans. 9, you know, 9 is 9. 9 years old. J'ai 9 ans. Anyway, at the end of the lesson, I think after we... maybe you need to print... After you need to print on the small book, okay? They will send you the word, then you can print it, okay? Donc, j'habite à, je parle, hein, je m'appelle. But bouillochier, cueilli, hein, ni même bouillochier, inoué. The teacher will send you, I think. I think the teacher will send you. The teacher, the Chinese teacher will send you, I think. Teacher will send you the important words. The important words, okay? Like, je m'appelle, j'habite à, j'ai 13 ans. 13 ans. Je suis chinois. Okay. So this is the most important. Okay. Donc très bien. So maintenant on va réviser aussi ça. Alors, Guinea Mencan, I will show you something, then you tell me what is this. Alors. Alors, maybe you know already. Maybe I'll show you this. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Maybe I'll show you from here. Comment, qu'est-ce que c'est? I'll show you on WeChat, wait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la Seine? Qu'est-ce que c'est la Seine? Yeah. Ça c'est la Seine. Qu'est-ce que c'est la Seine? Do you know? You can answer me in English. I can see the Tour Eiffel. Oui, c'est la Tour Eiffel, mais la Seine. I've been there. C'est la Tour Eiffel. La Seine, qu'est-ce que c'est? La Seine. Qu'est-ce que c'est? Do you know how to say it's a river? It's a river. River? You know? Qu'est-ce que c'est? Do you know what it means? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What can you see? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est means what is it? What is it? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la Tour Eiffel. Oui. C'est la Seine. La Seine, c'est une rivière. La Seine, c'est une rivière. Rivière means this is a river. A river. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Woman qui est chichou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que
Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est? Maybe I can show you something. Qu'est-ce que c'est c'est? la tour Eiffel. Oui, c'est la tour Eiffel. C'est la tour. Qu'est-ce que c'est? C'est la perfect. No, here. Qu'est-ce que c'est? On the video. This is a tissue. Tissue. Okay, we can say in English tissue, you know? Tissue. Tissue. Qu'est-ce que c'est? Bon. Okay. Tissue. Tissue. On dit pour être tissu. Tissue. Qu'est-ce que c'est? C'est I think this is soda. It's coffee, coffee. How to say coffee? Ka. C'est la coffee. Oui, le café, le café, le café. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le café. C'est le café. Okay. C'est le café. I will show you some place in France, then you can tell me what is it. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est? Maybe maybe you know this one. Maybe I show you this one. So alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est this one? Oui, c'est le Louvre. Bravo, bravo, hein, très bien. Très bien. I've Really, you visited the Louvre? Really? visited Paris. So what else did you say? Did you visit this one? Maybe this one is too complicated. So how about this one? Qu'est-ce que c'est? I can ask you, wait for this one. I'm coming. This one. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arc de triomphe. Oui, c'est l'arc de triomphe. Oui, c'est l'arc de triomphe. Ok, on se. I've been there too. Ready? I walk from there to the Eiffel Tower. Ready? So how about this one? Qu'est-ce que c'est? Maybe this one. You also seen it. Maybe this one. Qu'est-ce que c'est? Here. Really, this place is very famous because this was stolen by Napoleon in Egypt. You know, Egypt. Egypt. Egypt, I've Egypt. been, He I stole haven't this been in there. Egypt. And Egypt. this is the main square in Paris. Very big square. It's like Tiananmen Square in Beijing, maybe. It's the same as the Tiananmen Square, you know. Maybe. I've visited another place that also have this. Really? In Italy, in Italy, they have some. So maybe I can ask In you. Italy, Rome. Yes, they have in Italy many square like this. I can ask you, have you been to this place? Did you go to this place? Qu'est-ce que c'est? How about this one? Qu'est-ce que c'est? What is this? I haven't been there. You don't know, c'est le Mont Saint-Michel. C'est le Mont Saint-Michel. C'est le Mont Saint-Michel. Alors, anyway, I will ask you another question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? It's very important. Means, what is it? What is it? Maybe now I will just ask you another question, which is
Est-ce que c'est le drapeau français? Ou c'est le drapeau français? I will ask you this, okay? So I will show you this flag. This flag, okay? This flag. And then I ask you, wait, one second. Alors, c'est le drapeau français? Or you can say, est-ce que c'est le drapeau français? Est-ce que c'est le drapeau français? Is it the French flag? Yes. Et, Jane, est-ce que c'est le drapeau français? Is it the French flag? Is it the French flag? Est-ce que c'est le drapeau français? Non, 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 non. Non, 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 non. So I ask you about this one. How about this one? How about this one? Est-ce que c'est le drapeau français? How about the second one? No. You don't know? I think no. No? No, no, no. It's not. How about this one? I ask you. How about the last one? Est-ce que c'est le drapeau français? Oui. Oui, oui, c'est le drapeau français. So the first one is the flag from the Netherlands. You know, the first one is from the Netherlands. So I show you this one. Russia. Yes, and the second one is Russia. Oui, very good. This one is Netherlands. And the second one is Russia. This is Russia. Okay. Oui, très bien. Can you tell me, hey, Jeanne, can you tell me the colors? Oui. Do you know the colors? Les couleurs? What are the couleurs? Couleurs. Les couleurs. Rouge. Oui. Rouge. Rouge. Blanc. Bleu. Oui. Oui. Rouge. Bleu. Blanc. So we say in order it will be bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Rouge is the revolution. Is the color of the revolution. White. Blanc. Blanc. White. Is the color of the king. And bleu, it means together. I think it's together, like people, it's unity, unity, unity. This is the symbol, this is the meaning, I think. Ok, ok, hein, donc très bien, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Okay. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. I will show you something. Maybe you can tell me. Maybe you know what this is. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un flag. Oui, c'est un drapeau, c'est un flag. It's the flag of France before the revolution. When there was the king. It was the flag before the revolution. You know, did you see the cross? The cross. Because before France was Catholic country, so there is the cross. Whenever there is a cross, it means Catholic country. You know?
Non? Non. It's like this, the cross is like it's like this kind of cross, Catholic cross, you know? You know? It's all the religious countries, they have the cross like this on the flag. It's like cross before, you know? Do you know? Can you see? The cross is the religion, religious symbol. You know? Look, I will show you this one. Qu'est-ce que c'est? C'est en toi. It's England. Oui, it's England, anglais, anglais. And there is also the cross. There is also the cross. There is also the cross, like this, the cross, because it is a religious country, you know. For the Muslim countries, they have le croissant. Countries égale le croissant. They have another symbol like croissant, you know, Muslim countries. Like this, and then we move on. Let's move on. I just explain to you a little bit. Maybe it's not very interesting. Okay. Okay. Anyway, we'll do something else. I just show you, so you know. Look at the croissant. You can see the croissant like this. When you have this kind of symbol, it means Muslim. You know, croissant. Do you know? Croissant, it means the croissant de lune, it means the Muslim. This. So you see it on the cross, on the. You know? On the flag. Okay. So let's move on anyway. Okay, let's move on. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maybe you can try and tell me about this one. So. Maybe Jane, Jeanne, est-ce que tu peux me dire à propos de celui-ci là? What's the short for the word? So the first word, vous savez, la photographie. La photographie. La photographie. What can we say instead of la photographie? What can we say? La. In short, la photographie, we can say. Photo quoi? La photo. La photo. La photo. La photo. How would you say I like photo? I like photo. I like photo. I like photo. J'aime. 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 Photo. Oui, j'aime la photo. J'aime la photo. J'aime la photo. J'aime la Oui. photo. Oui, très bien. J'aime la photo. Oui, bravo. J'aime la photo. How about the second one? So, mathématique. Mathématique. Oui, maths. Maths. How would you say I like maths? J'aime le mess. Oui, j'aime le maths. Oui, très bien. How about the next one? Football. Le football, Football. le football. Ball. Le football, we can say. Le foot, le foot, le foot. How would you say? I like the foot. I like football. I like soccer. What would you say? J'aime le foot. Oui, j'aime le foot. Oui, très bien. J'aime le foot. J'aime le foot. Hey Nicolas, Nicolas, Nicolas. Ouais, can you say the one about géographie, Nicolas? Géographie. What can you say? What's the short for géographie? Géographie. La géographie. We can also say la. La géo. La géo. La géo. La géo. Géo.
How would you say? I like géo. I like géo. What do you say? I like géo. J'aime la géo. Oui, j'aime la géo. J'aime la géo. How about teacher? Le professeur. Le professeur. What would you say? Le professeur, we can say le... Prof. Le prof. Le prof. Le prof. Tu sais, Nicolas? Alors, Nicolas, tu sais ou pas? I like the teacher. Le prof. Oui, I like... J'aime le prof. Oui, j'aime le prof. How about the last one? J'aime le... Oui, how about the last one? Télévision. La télévision. This TV. Oui, la télé, la télé. Oui, c'est la télé, la télé. So, I like TV. I like to watch TV. J'aime. J'aime la TV. Oui, j'aime la télé. Oui, très bien, très bien, très bien. Bravo. Ok. So, maybe we can do something with... moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Do you know what moi aussi means? Hide and seek. Me too. Me too. Moi aussi. So I will tell you something. And you can say me too or you can say pas moi. Pas moi. Not me. Not me. So I tell you something and then I ask you. So first I will ask Jeanne, d'accord? Jeanne, alors, moi, j'aime la télé. Pas moi. Moi, j'aime la télé. J'aime la télé. Et toi? Et toi? Et toi? Pas moi. Pas moi, oui, très bien, pas moi. Really? You don't like TV? Why you don't like TV? Pas moi. Ok, alors Nicolas. Moi, j'habite à Paris. Et toi? Moi, j'habite à Paris. Et toi? Moi aussi. You live in Paris? You live in Paris? No, you live in Shanghai. You live in Shanghai, so you should say pas moi. Pas moi. Pas moi. J'habite à Shanghai. J'habite à Shanghai. J'habite à Shanghai. So, I said moi j'habite à Paris. Moi j'habite à Paris. J'habite in Shanghai. Oui, très bien. Pas moi. Moi j'habite à Shanghai. So let's do another one. Moi, what can I say? Je suis, alors, I want to ask Jeanne, moi, je suis français. Moi, je suis français. Et toi? Pas moi. Je suis chinois. Oui, très bien, bravo. Pas moi, je suis chinois. Oui, you can say chinoise and then chinois. Très bien Jeanne, hein, très bien Nicolas, très bien, c'est très bien, bravo. Pas moi, je suis chinois. Alors, moi, j'aime le café. Moi, j'aime le café. Pas moi. Et toi Jeanne? Pas moi. Et toi Jeanne? Moi, j'aime le café. Et toi? Pas moi. Me, I like coffee. How about you? Et toi, Jeanne? Not me. Bon, pas moi. You don't like coffee, pas right? Moi. You like coffee? No. You like coffee, Jeanne? Do you like Shinbaku? Oui? Did you drink coffee? But coffee is, you are too young to drink coffee. Did you drink coffee? No, I think coffee is delicious. Really? I like coffee. But you are not allowed to drink coffee, no? You are too young.
I can drink coffee. Really? Okay. Okay. I can just bring milk. Just milk. Ah, d'accord. Okay. Donc, okay. And let's do a little bit the first lesson. Let's start together a little bit the first lesson. Donc, en ville. En ville. En ville. En ville. En ville. So the first thing is, they say, comment aller à? Comment aller à? Comment aller à? Yes. How to go to? How to go to? So I will ask you, okay, à Shanghai, à Shanghai. Comment aller à Pudong? Jeanne, comment aller à Pudong? First I will show you. C'est Pudong. C'est Pudong. C'est Pudong. À Shanghai. Comment aller à Pudong? En voiture. Oui, très bien, très bien. En voiture. En voiture. En métro. En voiture. En voiture. Ou en métro. Did you learn this before already? En voiture. Yes, ou we've en learned this. Métro. En voiture ou en métro. Oui. Métro. En voiture ou en métro. And then, maybe I will ask another one. So, comment aller... comment aller à l'aéroport de Shanghai? Alors, Jeanne, comment aller à l'aéroport de Shanghai? Comment aller à l'aéroport de Shanghai? Comment aller à l'aéroport de Shanghai? En taxi ou en voiture? Oui, très bien, en taxi ou en voiture. Do you know, Jeanne, do you know about this? Oui. Oui. How about in subway? How would you say in subway? Subway, en métro. En métro, ouais, you can say en métro. En taxi ou en voiture. Maybe I can ask you something. Hey, Nicolas, c'est loin? C'est loin? L'aéroport. L'aéroport de Shanghai. C'est loin? Do you know c'est loin? C'est loin. Is it far away? C'est loin? Non. Non? Non. Non, oui. It's far away. C'est loin means it's far away. Sorry. Anyway, we'll see in the book. So in the book, maybe we'll read together in the book. So do you have the book? Page 12. Page 12. Non. Do you have the book or not? Non. Do you have it or not? I will send it to you otherwise. Do you have it or? Oops, I can copy the screen. It's here. You know this one? Can you see it or not? Okay. So we can repeat together. Comment aller au collège? Let's woman ichisho, woman ichisho. Comment aller au collège? Comment aller au collège? Comment aller au collège? Comment aller au collège? En voiture. En voiture. C'est rapide. C'est
C'est rapide. En voiture, c'est rapide. En voiture, c'est un pied. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. Le Gaultier, c'est rapide. C'est rapide. Le Gaultier, c'est rapide. Do you know le Gaultier? Gaultier? Le Gaultier, Yeah. c'est rapide. What else we can say? Well, can you tell me one that is fast? Fast. Le Gaultier, c'est rapide. En métro. En métro, c'est En rapide. avion. En avion, En oui. avion. En avion, c'est rapide. En avion, c'est rapide. À cheval, c'est rapide? À cheval, c'est rapide? Non. À cheval. À cheval, so ask you this one maybe. À cheval. C'est rapide? Non. Non. Non, 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 non. C'est rapide, it is fast. En voiture, c'est rapide. What else we can say? À vélo. À vélo. À vélo. Woman Ichisho, woman Ichisho. À vélo. À vélo. C'est bien. C'est bien pour faire de l'exercice. À vélo. C'est bien pour faire de l'exercice. C'est bien pour faire des exercices. And the last one, we say à pied À pied. ou à trottinette Ou à toutes les avec les copains. Avec les poudons. Copains, c'est Coco. sympa. C'est sympa. C'est chaud. Sympa. So here we see three things. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. It is fast. C'est sympa. It is nice. Et c'est bien pour faire de l'exercice. It is good to exercise, to do sport, to exercise. So I will show you some photo and you can tell me one of these. So par exemple, maybe, or you can say, tell me others, hein? Maybe, maybe, how about this? If I show you this. Alors, le. Maybe I will ask Jeanne. Jeanne. Maybe you can look at the picture. So, le surf. Which one can you tell me? C'est rapide? C'est sympa? C'est bien pour faire de l'exercice? What can you tell me? Le surf. C'est bien pour faire l'exercice. Oui, le surf. C'est sympa. C'est C'est bien bien. pour faire l'exercice. C'est bien pour faire de l'exercice. C'est sympa, ouais, ok, le I surf. think this is also nice. It's cool. C'est cool. Cool. Non? Cool. It's cool. Cool. Je cool. Cool. Je cool. What else? Can I ask you? Ah oui. Go to
Go to this place. Go to this place. I will show you this place. Le casino. Le casino. Le casino. What can you say? Le casino. To play the money. Maybe in yeah, I know. In Macau. Macau. Omen. In Omen. Macau. Le casino, c'est comment? Peut-être Nicolas. Nicolas, le casino. Nicolas, le casino. Le casino. Ouais. What can you say? Is it cool? Is it nice? C'est bien? C'est sympa? C'est cool? C'est cool. C'est cool? Ok. Le casino. C'est cool. So you can say this. Ok. Maybe I will ask you one last one. Alors là. Maybe I will ask you this one. La trottinette. La trottinette. La trottinette. Et Jeanne, la trottinette, c'est comment alors? La trottinette. C'est sympa. Sympa. C'est sympa, or you can say... C'est bien de faire l'exercice. Oui, c'est bien pour faire les exercices. La trottinette. Trottinette. C'est bien pour faire de l'exercice. Yeah, okay, you can say it's good to exercise, maybe. But how, do you know how to say it's a bit dangerous? Dangerous, unsafe. Dangerous. Dangerous. Don't I play that often? No, dangerous. It's not dangerous. Dangerous. In really? It's not dangerous. I think it's dangerous, no? Dangereux. For me it's dangerous. Dangereux. You know dangereux? Dangereux. You can get crushed by the car. Maybe. Yeah. But we don't use it on the road. Ah okay, not on the road. Okay. C'est dangereux. Well, not on the road is okay, but in Paris they use it on the road. In Paris it's on the road, so it's dangerous. And it can go very fast. It's very fast. C'est rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. You know how fast can it go? Do you know? Do you know? How many kilometers can it go? What's the speed of this? Happy. It can go at say happy. 30 kilometers per hour. It can go 30 kilometers per hour. It's very fast. C'est, yeah. C'est très rapide. 30 to 40. Yes, 30 to 40. Oui, 30, 40. C'est très rapide. 30, 40 kilometers. It's very, very fast. So it's dangerous. If you fall, you will hurt yourself. You know? Yeah. Okay, donc en métro, en bus, en vélo, à vélo. This I think you know already. So how would you say en ou à? I think we already seen this. En ou à? So let's repeat together this one. En bus. En bus. En bus. En bus. En voiture. En voiture. En voiture. En voiture. En train. En train. En train. En train. À vélo. À vélo. À vélo. À vélo. À moto. À moto. À moto. Moto. How about the next one? Métro. Métro. What would you say? Jeanne, qu'est-ce que tu mettrais là? En métro. En métro. En métro, oui. À cheval. Next one will be, is it à or en? À
Ah, À cheval. cheval. À cheval. À cheval. À cheval. À pied. Pied. Oui, à pied. À pied. À pied. Maybe you can say that. How about tram? Tram ou tramway? On tramway. Tramway. En tramway. En tramway. On tramway. Limousine. Limousine. On limousine. En limousine. En limousine. And the last one, ski. Ski. Masky. Ah, ski. Oui, très bien, hein, très bien, Nicolas. Do you know the rule? Ah. Ah is when you It's on it. Ah. on something, and on Ah. is you are in something. Yes, on is you are in something. Oui, très bien, exactement. Alors, maybe what I can ask you, maybe I can show you from the video and you can tell me what it is. Alors, I ask you this Un moto. Oui, à moto. Ah, À un moto. moto. À moto. À vélo, oui, à vélo. How about this one? En voiture. En voiture, oui, en voiture. En voiture. About this one, maybe. Oui, à ski. À ski, oui, très bien. How about this one? En bus. Non. En train. En train. En train. Cherche. Chima, Chima. En bateau. À cheval, à cheval, à cheval. This is a cheval, cheval. Okay. How about this one? The one. It's very expensive, Hengui, Hengui. Avion. En limousine, en limousine. Limousine. You have the driver, you know the driver? En limousine. They will open the door for you know? They will be like this, you know? Maybe. For the very rich people. You know? It's like this. You know this? En limousine. En limousine. Ok. Donc très bien, en limousine. Alors, ouais. Let's do one. I say, maybe, Jeanne, tu vas au collège comment? Tu vas au collège comment? Tu vas au collège comment? Du nos collège, collège. College, we go to university. Non, collège is donc chez. Donc chez. Donc,
tu? Collège. Tu vas au collège comment? À En pied, voiture. à moto, à en bus, en voiture? En voiture? En voiture. En voiture. Et toi, oui, et toi, Nicolas, tu vas au collège comment? En train. Non, au collège comment? Au collège. How do you go to school? School. School. En voiture. En voiture, oui, en voiture. Tu vas, tu vas, Jeanne, tu vas au supermarché comment? Tu vas au supermarché comment? Nicolas, supermarché. À pied. Tu vas au supermarché à pied? En voiture. En voiture? Oui, en voiture. Oh, donc, très bien. Donc oui, en voiture. En voiture. En voiture. Ou à pied. Which supermarket do you go? Madelon. Madelon? Quel supermarché? Madelon, oui. You know Madelon? Oui. Madelon. Métro. Supermarché. I'll show you. Tu vas à ce supermarché. C'est le supermarché. C'est le supermarché. C'est le supermarché. Do you go to this supermarket? Non. Non. How about maybe this one? Bubugao. Bubugao. Do you know Bubugao? Where Bubugao. C'est is it? What is the picture? le supermarché? Oui. Oui. Non. Non, non. Sometimes oui, sometimes no. It's no. Non. Oh, non, How about this one? Yeah, this one. This one is very big. This one is a Chinese supermarket. C'est le supermarché chinois. C'est le supermarché chinois. non. Non? Non. So which one is supermarket? Chinese supermarket says no. No Chinese supermarket. D'accord. Donc, ouais, tu vas au supermarché comment? Maybe what else? Tu vas, Jeanne, tu vas à Pékin comment? What is Pékin. Do you know Pékin? Pékin is in Pékin. I will show you. Pékin. I show you on the map. Pékin is in China. C'est en Chine, Pékin. Pékin is Beijing. Pecan. Tu vas à Beijing comment? How do you go to Beijing? Beijing en avion. Oui, en avion, en avion. Ou alors en train, en train, en avion, en train. Nicolas, tu vas au parc. Comment? Tu vas au parc. Tu n'es au parc. En voiture.
Tu vas au parc, comment? You know, park? I will show you the photo. C'est le parc. C'est le parc. C'est le parc. En voiture. En voiture, oui, en voiture, en voiture. En voiture. Oui, très bien, en voiture. That's very good, hein? En voiture. And so what can we say? Maybe we can look together at the document number two. OK, let's look together at the document two. Do you see document two? Can you see the document number two? La voie de tram. Do you see it on that page? Page 13. Page 13. I didn't see. Page 13 of the book. Can you see? You don't have the book? You didn't have the book? Yes. Wait, maybe what I will do is I will take the screen up. Voilà. Donc, let's see together. La voie de tram. La voie de tram. This one. Can you see the number two? La voie de tram. La voie de tram n'est pas de trottoir. N'est pas un trottoir. So in the city, everything is divided. La voie de tram. Le trottoir. Everything needs to be tidy. Yes, everything needs to be tidy. Otherwise, you have the accident. Accident. So you have la voie de tram n'est pas un trottoir. La voie de tram n'est pas un trottoir. Maybe I will ask Jeanne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le trottoir. C'est le trottoir. C'est un trottoir. C'est un trottoir. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui le trottoir? Do you understand? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? C'est pour les vélos? C'est pour les vélos? C'est pour les vélos? Is it for the bicycle? C'est... Oui. Non. C'est pour les voitures? Is it for the car? Le trottoir. Le trottoir. Le trottoir is for the pedestrian. You know? Le trottoir. Le trottoir. It is for the pedestrian. You know pedestrian? For the people. It's for the people to walk. À pied. À pied. Le trottoir, c'est pour les gens. It's for the people, you know? Le trottoir, c'est le trottoir. C'est le trottoir. Maybe I ask Nicolas. 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le
C'est la... C'est la tramway. Oui, c'est le tram. C'est le tram. And this is the road for the tram. How to say the road for the tram? The road for the tram, they say... C'est la voie de tram. C'est la voie C'est de la voix tram. de temps. C'est la voie de tram. C'est la C'est voie. le voie de temps. It's only for the tram. It's only for the tram. It's not for the car. It's not for the car. It's not for the motorbike. It's not for the people to walk. It's only for the car. It's only for the car. Okay. How about this one? If you are the police guy, then what do you need to do when there is someone here? You are on the street and you are a Oh, police pick guy. it up. Look, if there is someone here, what do you need to say? Ah! Where you can say stop, hey stop. And here in the text they say on s'arrête au feu rouge. On s'arrête au feu rouge. We stop at the red light. On s'arrête au feu rouge. Le feu rouge. The red light. Le feu rouge. Le feu rouge. Ok? Le feu rouge. D'accord? So you need to remember. La voie de tram. La voie de tram. Le voie de tram. La voie de tram. La voie de tram. Let's try just to see this one then. We'll see. La voie de tram. La voie de tram. La voie de tram. Alors, let's try to see this one. Number four. The number four here. I showed you that. Tac. Alors, hey, Jeanne. Just to, we almost finished. Don't worry. Let's try, Jeanne. Let's try to do the number four. D'accord? Four. 4A. 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 Can you try to read it? Jeanne, can you try to read it? On roule sur. So what do you see? Trottoir, feu rouge, route. Piste cyclable, it's a bit difficult, hein? We didn't see much about it, but what do you think? When à vélo, à vélo, where do you go? Do you know? I will show you à vélo. What do you think? Which one it is? À vélo, where can you go à vélo? You have to go on this. On roule sur... What's the name of this? Une piste cyclable. Une piste cyclable. Donc à vélo, on roule sur une piste cyclable. À vélo, on roule sur une piste cyclable. That's only for the bicycle. Do you want to try the number B? Just try the number B. B. À pied. Ah, vas-y, Jeanne, dis-le. À pied. Just read it, it's okay. On s'arrête au red light. You need to stop at the red light. How to say red light? Le feu rouge. Le feu rouge. À pied, on s'arrête au feu rouge. Et Nicolas, tu essayes le C. Hein.
Le sillon. Les trottinettes roulent sur le... Les trottinettes roulent sur... Le trottinette. Roule sur... Le... Trottoir. Les trottoirs. And about, le, how about the D? D. Le trottoir. Le D. Le... Les trottinettes roulent sur le trottoir. Oui, très bien, très bien. Les trottinettes roulent sur le trottoir. And the last one, le tram roule sur... Le tram roule sur une route. The tram goes on a road. On the road, you know. So it's a bit difficult. Hein? Don't worry too much about it. It's a bit difficult. It's just inside the city. So you need to know the different way inside the city. Le trottoir, la route. Le trottoir. Le trottoir, la route. The road, the road. La route, le trottoir. Le feu rouge, the red light, the traffic light, le feu rouge. Le feu rouge. Le feu rouge. Donc très bien, très bien. Well, I think we can stop for today. For next time, you need to remember, and we'll finish a little bit next time about the direction. Direction. We'll do maybe exercise number 6 next time, but we'll do together, don't worry. And yeah, so what you need to remember, c'est, so of course, is comment aller à, comment aller au. Comment aller au collège? So you need to remember this. À pied, en vélo, en moto, en bus, à cheval, ok? En avion, ok? And then you need to remember, c'est sympa. C'est facile. C'est facile. C'est bien... C'est bien, c'est bien, c'est rapide, oui, bravo, c'est rapide, it's fast. C'est bien pour faire de l'exercice, pour faire de l'exercice. Maybe you can remember also, c'est loin, it's far away, c'est loin. And then of course, what we reviewed before, so bonjour, je m'appelle... j'ai 10 ans, 9 ans, 13 ans, j'ai 13 ans. J'habite à, oui, j'habite à Shanghai. Je suis chinois, je parle français, je parle chinois. Ok, so all this is very good. Yeah, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, pas moi. Ok. What else did we say? Wow, aussi, pas moi. Ah oui. And then a few words that we see. Hein. Le foot, le prof, la télé. Ok. C'est très bien. And then the last thing that we saw today is yeah, the roads, le trottoir, la route. Okay. So it's good, it's good. But the most and qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? This is very important. What is it? Qu'est-ce que c'est? Comment aller à? Comment aller à? Okay. How to go to? Okay. Donc, très bien, très bien. Let's stop for today. Let's stop for today. Anyways, I will send you the word. Hey, do you know Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc. You know Jeanne d'Arc? Yeah. You know, c'est Jeanne. Jeanne. You don't know, Jeanne. You don't know, you don't know, hein? It's a famous French woman. You don't know. Jeanne d'Arc. She saved France from the English in the war, during the war. You don't know this? She led the army to fight the English. She freed France from the English. You know? I don't know. Okay, whatever.
Okay. So let's see each other next time. Hein. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Do you have any questions? Do you have any questions? No? Non. If you have some questions, you can also write to me, hein, on in the group on WeChat if you have some questions. Ok? Ça va? Bon. Bon, allez, on y va Ça alors. va bien. Si tout va bien. Au revoir, hein. À bientôt. Salut, Encore. salut. Salut, salut. Je raccroche, hein. Bonjour. Salut, salut.